Ce matin, nous sommes à l'hôtel de ville de Montréal afin de célébrer et d'honorer et encourager et permettre à la société québécoise de découvrir une groupe de musicales haïtiens, septentrional, 1948-2008. Nous avons des gens très importants, des hommes de lettres, des hommes de culture. Il est là avec nous, M. Danny Laferrière. Je vais vous présenter M. Danny Laferrière. M. Danny, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Qu'est-ce que vous faites ici ce matin? Ah, ben je viens ici, exactement ce que vous venez de dire, pour honorer l'orchestre septentrional, la fierté du Nord d'Haïti. La fierté du Nord. La boule de feu du Nord. Et donc, je viens ici pour honorer ce groupe. Je suis président d'honneur des festivités entourant cet anniversaire à Montréal. Alors, vous êtes le président. Pour ce boule de feu, il y a beaucoup de chaleur. Tout à fait. Et tout à fait. Et je suis très content parce que Septentrional, dans un milieu aussi difficile que le milieu haïtien où tout est instable à cause de l'instabilité politique et économique, que Septent, un groupe musical, puisse durer 60 ans sans interruption, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et c'est comme un modèle pour les autres institutions. Pour que ces gens qui les dirigent puissent les préserver et faire en sorte qu'il y a un lien dans l'histoire haïtienne, que les choses ne se brisent pas au fur et à mesure comme ça dans le temps. Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans la programmation qui va être pour les jours à venir? Je ne sais pas trop, mais je pense que d'abord des festivités. Je crois que durant tout ce week-end, il va y avoir naturellement une présence constante du groupe Septent un peu partout. Et là, aujourd'hui, on signe le livre d'or de la ville de Montréal qui ouvre la série des festivités. Il va y avoir sûrement des rencontres à Christina. Il va y avoir des balles, il va y avoir et toutes sortes de choses. Mais l'idée, ce serait à chacun de ces points-là et que la communauté haïtienne puisse aller honorer et ces gens qui ont contre vents et marées, et je dis bien vents et marées, et depuis que Haïti souffre non seulement de l'incertitude politique, mais des cyclones. Exactement. Et des tempêtes. Et contre vents et marées qui ont fait durer une institution haïtienne de bonne tenue. Quels sont vos souhaits à Septentrional? D'abord, féliciter Septentrional. Quand un groupe a 60 ans, c'est-à-dire qu'il est plus âgé que moi, je n'ai pas trop de choses à lui dire que merci. Merci d'avoir su durer et malgré tout. Et de lui dire naturellement de continuer le plus longtemps possible et de continuer surtout non seulement de durer mais aussi d'être original et qui est, disons, la seule façon de pouvoir rester dans le temps. Et si Septent est encore là, c'est parce qu'il a un public et le public se renouvelle. Il y a des gens qui sont pour ce groupe musical qui n'était pas né et quand ça a commencé. Et pour ce faire, donc, ils ont dû avoir une sorte de classicisme et qui a pu leur permettre de traverser le temps. Alors, il faut traverser le temps avec Septent, et c'est bien dit. Et Septent est là pour durer plus longtemps et afin de donner un exemple des institutions qui durent en Haïti. Alors, merci, M. Danny Laferrière, je vous remercie. Et je vous souhaite passer une très bonne journée avec nous. Ah, merci, absolument. Et puis, naturellement, bon anniversaire à Septent. Merci, bon anniversaire à Septent. Il est là pour durer. Et si longtemps, Septent, la boule de feu. Merci. C'était Image plus Magazine.com.